Salut à tous, nouveau mode que l'on va tester, le Taiga 30-31 par Yansors, alors qu'il faisait plutôt des bons modes assez équilibrés et assez classe. Je les avais pas forcément trop aimés, mais c'était pas spécialement mauvais, c'était pas forcément mon style de camion. C'était des packs Zix que j'avais testé, je crois. Donc on va aller voir ça. Donc c'est parti, hop, on va prendre cette partie-là au Wisconsin. Alors je suis désolé, il y aura le petit temps de chargement, mais je me dis que c'est pas mal des fois de vous montrer quel mode c'est, quelle tête il a, etc. Au niveau du menu, ça peut être intéressant. Et puis de faire une petite intro comme ça, du coup, ça permet d'être sûr de bonnes bases. Et en plus, avec la série X, ça charge assez vite normalement. Voilà, normalement on y est, et c'est parti. Alors, concessionnaire. Le voilà, donc A-, B+, 330 litres, tout terrain 44 pouces, échangeable toujours actif. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ok. Ok, ouais. Une texture correcte. Alors, j'ai l'impression quand même que les textures sont vraiment pas de super qualité, mais à mon avis, ça c'est pas son mode. J'ai l'impression que c'est un peu tous les modes, voire presque enfin, tous les modes, oui. Depuis quelques temps, peut-être à cause de la Switch, je ne sais pas, ou à cause des anciennes gènes. Mais on dirait qu'elles ont une moins bonne définition que c'était avant. Je sais pas, je suis pas sûr. Alors, moteur. Ouh la vache! Ah oui, il y en a assez là, c'est bon? Il y en a un peu plus, je vous le mets. Ah ouais, mais il y en a 50, il y en a trop là. Il y en a trop, je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce qu'il est? A-, B+. J'aurais presque envie de le tester limite en full stock. À mon avis, je pense pas qu'il ait fait des trucs trop cheatés. Oiseuf 16-1, je sais même plus si c'est un moteur du jeu le 16-1. Moi qui ai fait tous les trucs, toutes les améliorations sur le fichier, allez, on va le laisser tel quel. Alors, waouh, il est encore bien équipé là-dedans, haute vitesse, tout terrain spécial. Waouh, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, spécial avancé, puis on va quand même lui mettre un bon moteur. Le 15-3, je sais que c'est un moteur du jeu. Le 16-1, je suis pas sûr. On va lui mettre ça et puis c'est tout, suspension. On peut lui mettre une surélevée. Waouh, ok. Alors j'ai du pognon, ouais 503 000, ça va, faudra pas que j'oublie de revendre le véhicule comme il faut. Les pneus, bon bah les pneus, pourquoi mettre de l'autoroute, du tout terrain et de leur piste, je suis pas sûr. Ouais, leur piste si ça va. Alors boue, waouh, ça commence d'être un peu énervé quand même. Alors MHS3, alors que c'est pas du tout les bons pneus, mais ils sont stylés. Les DMHS1 non plus, c'est pas ces styles là, je sais pas pourquoi il a réutilisé ces mots là. Au niveau des stats, j'aurais peut-être dû mettre le cargo trailer histoire de voir. Je crois que ça fonctionne. Ça m'aurait permis de voir un peu plus ce qu'il a utilisé comme stats. C'est vrai que j'ai été con là-dessus. Faudra que je le fasse pour les prochains, de penser à le mettre le cargo on tires. Je vous avais fait tires on cargo, pardon, le nom du mode. Ça permet de voir les stats et du coup ça permet de voir si les développeurs ont, si les modeurs ont triché. Vous savez quoi? Je vais y aller. Je suis désolé, c'est un peu chiant, mais je vais y penser pour les prochains coups d'y mettre et comme ça on peut checker tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? Normalement, oui. Navigateur mode. Mode abonné, je crois. Où est-ce qu'il est? Normalement, tiens, il est là. Attends, il est bien activé, hein, pas que je quitte pour rien. Tires on cargo mode plus. Hop, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus. On repart. Ça, on va pouvoir voir aussi. On vérifiera avec chaque mode les pneus s'ils ont vraiment fait n'importe quoi au niveau des stats et tout, ou s'ils sont restés à peu près corrects ou égaux. Par exemple, égaux avec le. Par exemple, les DMHS1, est-ce qu'ils ont gardé les mêmes stats, juste changé la tronche, je ne sais pas. Allez, vas-y, traîne pas. Merci. Hop, 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 hop. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Impeccable. Ah, ça permet de voir les vrais stats des pneus, comme ça on s'en sort, on voit ça tout de suite. Je le ferai pour tous les modes, faudra que j'y pense. 5-2-2, franchement ça va. Il a pas du tout cheaté, c'est même limite trop faible. 5-2-2-4, ouais là on est un peu mieux. Ça m'a l'air d'être presque les stats potentiellement du jeu. Donc il a été correct. Il a été très correct, alors il n'y a pas que ça qui joue, mais il a été plutôt très correct. J'aurais bien envie de mettre les ceux-là. Ils sont assez classe. Je sais pas si c'est ce qui lui va le mieux, mais allez, on va pas y passer 2 heures. Treuil long avancé, roue de secours. D'accord. Alors voilà, ça c'est ce que j'attends d'un jeu de expédition ou de snow, c'est qu'on puisse choisir la roue de secours. C'est pas compliqué. Il y a un emplacement, il suffit qu'on nous fasse sélectionner la roue. Le modèle est déjà créé dans le jeu, donc ça c'est ce que je veux, ça. Ça c'est ce que je veux pour avoir une roue qui corresponde à ton véhicule. Bloc diff, ok. Standard, il y est déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a en module? Grue lourde.
Alors, qui est à ras du toit. Plateau de place. Oh, remorque plateau. Alors, je sais pas si ça prend 3 places. Ça a pas l'air. Ça fait un tout petit peu plus, mais pas suffisamment, je pense. Bon, en tout cas, c'est classe. Ah, on a la version bâchée, comme sur la photo. Ok. Donc, version rambarde, on va dire. Bâchée. Ok, module de maintenance, module de réparation, sismique, rambarde, essence, eau, additionnel fuel tank. Et tu le mets où ton fuel tank? Gratuit. Alors là, il en met un plus gros. Ah, d'accord, il en met un de l'autre côté en fait. Il y en a déjà un là, il en remet un ici. D'accord. Donc 350 litres ou 600 litres. Ok. Ah ouais, 600 litres, c'est peut-être un peu abusé, non? Alors les vrais camions, ils sont un peu plus comme ça, hein, mais 600 litres, ça commence à faire beaucoup, hein. La grue, alors est-ce qu'on peut prendre grue plus de place? Oui, on peut prendre grue plus de place. Je pense plus remorque, vu ce que ça donne. Ok. Par contre, comme les beaucoup de véhicules, malheureusement, ça j'aime pas trop. C'est qu'on a un gros décalage avec la cabine à cause de certains trucs, certains accessoires, sauf ceux-là qui passent par-dessus. Et ça, c'est quand même mieux. Ensuite, attelage haut, attelage bas, avec grue. Ok. Bah moi, j'ai peut-être bien envie, c'est de lui mettre la rambarde. Hein. C'est de lui mettre la rambarde. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a en custom? Air conditionné, c'est pas très joli. Hein. Toi, bah, air conditionné, d'accord. À charnière, ouais. Alors ça, c'est assez chouette pour une fois. C'est sur le 6431 et le Taiga, je crois. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Ça lui va plutôt bien, je trouve. On va peut-être le laisser comme ça, mais ça lui va plutôt bien pour une fois. Les jantes, y a rien de spécial. Les couleurs. Ok, je sais pas trop ce que ça représente. En blanc ou en noir, ok. Et on a encore le skin d'autres couleurs. Alors par contre, rambarde non colorable. Ça, c'est peut-être un poil dommage. Les couleurs sont pas dégueu, mais non colorables. Et il n'y a pas grand-chose de colorable, je crois, du coup, dans les modules. Alors, à moins que celle-là, on va peut-être tester. Bah, il n'y a pas 50 000 choses de colorables. Temps de carriage. Ah non, c'est pas colorable non plus. Bon, je testerai bien avec la tente. D'ailleurs, on va tester avec la tente. Bah non, j'ai pas de ressources, c'est vrai. C'est un peu le problème, alors c'est... Alors c'est pas un truc de... D'accord, c'est pas un truc de rambarde. 5 500! Oh non, mais pourquoi? Mais pourquoi mettre autant? Alors je sais bien que dans la réalité c'est peut-être ça, hein. Mais là c'est trop. Ah non, là c'est trop quand même. 8 roues de secours, 5 500 de répa. Et en plus il y a la roue de secours qui est à l'avant. Ah non, c'est pas bien ça. C'est pas bien ça, non c'est dommage. Il a 330 litres, tu te dis ouais il est équitable et tout, et en fait... Bah, il prend plus, 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 plus. C'est un peu dommage. Bon, on va se concentrer sur le camion. Qu'est-ce que ça donne? Bon, le bruit de moteur est déjà dans le jeu, j'ai l'impression. Il est chouette, hein. Il est plutôt chouette, hein. Il n'y a pas à dire. Alors, c'est combien de places, ça? Merde. Ah, c'est 3 places? Oh, ça doit déborder sur le plateau, là, la petite truc, hein. Ah oui, il y a des chances. Alors il a l'air d'avoir du peps, hein, peut-être trop. Non, ça passe à peu près, ça va, il va pas à 300 km/h. Il est sympa, c'est pas forcément le style visuel que je prendrais, mais ça change au moins. Bon alors là il y a un petit problème dans mes tests, c'est que souvent je passe ici. Et j'ai remarqué l'autre jour quand j'ai testé la Zove Atom qui venait de sortir. Je suis passé tout droit la première fois, les autres fois ça s'est beaucoup moins bien passé. Ce qui fait que quand je teste les modes, des fois je passe ici une fois. Et ça se trouve je les considère comme très bien parce qu'ils passent bien, mais en fait c'est tout à fait normal. Et après du coup les autres passent plus, et ça se trouve je pouvais les critiquer alors que ils auraient peut-être fait la même performance, je sais pas. Chouette, hein. Il est plutôt chouette. Alors je dois pas avoir de générateur pour créer des ressources, tout ça.
Il va bien, hein. Ça va, il est pas si rapide que ça. Il a pas l'air trop incroyable au niveau des stats. Il a pas l'air cheaté au niveau des pneus, ce qui est un peu étonnant. Il s'en sort correctement sans plus. Ok. Je suis en auto, en boîte auto toujours. Boîte haute, non, ça passe pas tellement, mais c'est pas anormal du tout. Bon, bah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt honnête, hein. Il s'en sort normalement. La custom est pas mal. Manque peut-être un petit peu de custom, genre une barre de phare sur le toit. Alors, quelque chose de rétro, hein, pas quelque chose de trop abusé. Alors le seul truc qui me manque à tester éventuellement, bon on va peut-être pas aller jusqu'au bout, c'est je crois pas qu'il y ait de bidon. Ah bah non, bah, de toute façon j'ai pas la carte. Je l'ai pas encore débloqué la carte vu que je viens de repartir sur une autre sauvegarde. J'ai perdu ma sauvegarde quand, enfin j'ai enlevé ma sauvegarde quand je faisais des mods. On pourrait peut-être le tester autrement, pourquoi pas. Alors on pourrait peut-être lui mettre ça. Bon c'est gratuit, c'est pas grave. Pare-choc avant, pourquoi pas. D'autres pneus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça lui va pas terrible ça. Bon, c'est du 44 pouces, on voit que c'est un peu faible. Ça va, ça passe. Et ces pneus de base, c'était quoi? C'était ça? Ouais, ils sont pas mal les pneus de base. Hein. Il a des proportions assez étranges. Hein. L'angle d'attaque du camion quand même est particulier. C'est assez spécial. On pourrait peut-être le tester avec ses pneus de base, je pense pas que ce soit cheaté. Alors du coup il a des chaînes, c'est moche. Là ça va, ça passe à peu près. On pourrait peut-être tester ses pneus à lui. Bon de toute façon les stats ont l'air d'être bonnes, hein, mais pas abusives. Alors c'est assez bizarre, il est excellent partout. Là c'est un truc que je comprends pas, je sais pas si... Oh si ça se trouve ça a pris les stats du DMHS. Pourtant c'est pas des 2-2 les DMHS. Attendez, je vais checker un petit truc. Pour être sûr, je me suis pas ouvert mon fichier évidemment. Je me demande s'il a pas, si c'est pas le mode en fait qui fait pas le boulot. Je pense que c'est le mode qui fait pas le boulot. Il doit m'afficher les stats du DMHS, le mode Tires on Cargo, alors qu'en fait, bah, c'est pas ça. Alors DMHS, DMHS 1, 05, 22, ouais. Et 05, c'est pas excellent sur la route, hein. Pas du tout. Donc je pense que il y a un petit truandage là-dedans. À moins que vraiment les pneus marchaient si bien que ça, mais j'ai trouvé que c'était bizarre. Et 0,5 sur la route, ça me paraît chelou. Ça me paraît un petit peu difficile à croire, mais pourquoi pas, hein, mais ça me paraît bizarre. Alors couleur, bon, de toute façon, je sais pas. Non, c'est pas joli, ça gâche un peu le mode, je trouve. On va essayer d'aller à gauche pour voir comment il s'en sort dans des bosses. Bon, c'est toujours mon terrain qui a l'air plutôt pas mal. Je trouve peut-être un peu mieux que le terrain d'entraînement. Ah, autant pour moi. J'avais oublié qu'il y avait des troncs ici. Je vais pas mis le meilleur moteur pour voir s'il était cheat. Bon, il a l'air bien. Je pense que j'irai pas au-dessus de bien. Ça va, il a l'air plutôt correct et tout, mais... Ah, il est pas si incroyable, hein. Il est pas si incroyable du tout, hein. Il y a des modes qui éclatent ce genre de trucs, hein. Donc ça va, c'est correct. Ah ouais, c'est plutôt correct, hein. Alors je lui ai pas mis ce qu'il y avait de mieux, mais waouh. Qu'est-ce que ça donne, une petite photo? Si, mets-moi le chauffeur, mets-moi les phares. Ah, c'est vrai qu'il faut tous retaper là. Putain, c'est pas possible. Ouais, c'est peut-être par contre de ce côté-là qu'il est le mieux. Ah, je suis encore dans l'ombre. Hein. Je voulais prendre le garage, je voulais avoir une belle vue derrière, mais bah, ça passe pas terrible. Hein. Ça passe pas terrible. Allez, je vais en prendre une de chaque côté au cas où, et puis je vais prêter à en prendre une plus loin. Mais il est pas mal. Ça va, il est pas mal. Il est honnête le véhicule, donc.
écoutez, on va lui mettre son petit pouce bleu certification habituelle. Mais il aura pas le golden. Hein. Mets-moi la journée, s'il te plaît, ça sera mieux. La boîte haute m'aurait peut-être aidé aussi dans la côte. J'ai pas essayé. Des fois elle marche bien, des fois non. Ouais, comme ça, tiens, j'en ai pas fait depuis longtemps, des comme ça devant une maison en plus. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, allez hop. Alors désolé, j'essaierai de pas faire trop de photos dans ces trucs là, hein, mais. Aïe. Fini les photos. Il a pas l'air de prendre de dégâts, il a l'air un peu trop stable. Un peu trop réaliste peut-être, je ne sais pas. Après, oh, zéro dégâts. Un peu abusé je trouve. Hein. Alors j'essaie d'y aller à fond pour voir, mais il prend zéro dégâts. Alors là, l'angle d'attaque, hein, je pense que c'est là que... Waouh, comment il est monté direct. Alors je sais pas comment il est programmé, mais peut-être ça se trouve en incliné au lieu d'être... D'être cubique, ouais. Il passe un peu au-dessus, mais quand même, hein. Oui, il a l'air quand même d'être un poil abusé. Hein. Il m'a l'air un peu abusé, je trouve. Hein. Il passe ça, mais ça n'existe pas. Hein. Alors l'avant, ouais, l'avant, je l'ai pété quand même. Hein. Ouais, l'avant, il a pas aimé quand même les différents contacts. Mais moi ça, on dirait que je touche même quand je suis tanké dessus. Ah, j'ai peut-être réussi à le trouver un petit point de faiblesse. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, il est hyper fort. Beaucoup trop fort, je trouve, mais bon. C'est pas gravissime encore, mais... Ah merde, il y a un tronc ici, je me rappelais plus. Ça m'a l'air correct, mais... peut-être un petit peu trop abusé. Je pense que là, si je descends ça, il va tout exploser. Ça va être carrément abusé. Ah, il prend aucun dégât. Il est immortel, j'ai l'impression. Je vais essayer de descendre à bloc. Je prends aucun dégât dans rien. C'est un petit peu abusé. C'est un petit peu abusé de prendre aussi peu de dégâts, je trouve. Aide-moi ça, la côte, je vais l'avoir descendu en 10 secondes. Zéro dégâts, zéro problème, zéro risque. Ah là, je suis un peu partagé là. Hein. Pouce rouge, pouce bleu, je sais pas. Il est pas mauvais, il est pas. Il est pas. Bon, il est un peu abusé quand même. Je le trouve un peu abusé quand même. Il est stylé, c'est con. Hein. C'est con, j'aime pas les modeurs qui font des trucs trop puissants, mais rien-moi ça. Je suis passé easy les doigts dans le pif. Les pneus sont un peu cheat. Ah, c'est difficile là. Ah, c'est un choix que j'aime pas. J'aime bien quand c'est très tranché. Là, c'est. C'est un mec qui fait des bons mods d'habitude. Ils sont stylés et tout. Il est stylé celui-là. Mais un peu abusé en termes de contenance dans la bâche. Les pneus ont l'air d'être cheatés. Il prend aucun dégât. Ah, là, je crois que je vais partir sur un pouce rouge quand même. Et ça m'embête. D'avoir un aussi beau camion et de partir sur un pouce rouge, ça m'emmerde. Ah, j'aime pas ça. Ah là, je... Non, j'aime pas ça. D'ailleurs, j'ai pas changé la roue de secours, alors que j'aurais pu. J'aime pas ça du tout. Ah, j'aime pas ça du tout. Ah, j'aime pas ce genre de truc. C'est un beau mode. T'en es content, il est stylé. Il y a un petit peu de custom sympa et tout. Mais, bah, c'est cheaté. C'est cheaté, il prend rien. Aucun dégât, que dalle. Et si tu tapes... Ah, zéro dégâts. Ah ouais, bah non. Ah bah non, si tu prends aucun dégât, c'est non, hein. Aucun dégât, zéro, même quand tu tapes ça. Ouais, ça passe à travers les machins. Merde, j'ai mis la... Ah, zéro dégâts. Ouais, bah non, pouce rouge. Je suis désolé. Je suis désolé, tu peux pas ne pas prendre un seul dégât. Ah, ça y est, quand même.
Ah bah dis donc. On dirait que toute la carrosserie ne prend rien. Par contre, c'est les pneus, mais dans la descente avec les cailloux... Ah, regarde-moi ça, il prend rien. C'est... Il prend vraiment jamais, quasiment. Et puis alors, j'ai un pneu pété, alors... Ouais, non, je pense que je peux pas lui mettre un pouce bleu et je suis très déçu. Je suis très déçu parce que vraiment il est stylé. Visuellement, il est stylé, y a rien à dire. Mais c'est pour prendre jamais de dégâts, d'être jamais en panne. Il consomme quoi? J'ai fait quasiment la moitié du tour de la map et il a rien pris. Tu peux lui mettre 600 litres de réserve en plus. Là, j'ai déjà 350. J'ai déjà 350 que j'ai mis en bas, non? Attends, quoi? Ah oui, non, c'est le... Oui, c'est ça que je voulais. Donc, j'ai 350 que j'ai mis sur le côté. J'aurais pu mettre 600. J'ai 330 dans le moteur, dans le réservoir normal. Ah, ça m'embête, mais je vois pas comment... J'ai pris une seule fois des dégâts après tout ce que j'ai fait. Ça me paraît un peu abusé. Ah, ça me paraît abusé. Je suis désolé. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça la roue de secours de base que j'aurais dû mettre. Il n'y a pas tant de colorables, il n'y a rien. Ah, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu, pour moi, il est trop puissant. Il est trop puissant, mais il est magnifique. Enfin, il est joli, quoi. Il est joli. Après, c'est un style, mais il est pas mal, mais pour moi, il est trop cheaté. Il est trop cheaté, donc bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, mais c'est une petite déception pour moi, quand même, vraiment. C'est même si le camion me plaît pas vraiment au niveau visuel, je m'attendais à ce qu'il soit assez régulier par rapport à ce qu'il fait, c'est-à-dire des plutôt bons mods. Donc là, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Ouais. Alors visiblement, les pneus, on peut faire ce qu'on veut au niveau de la taille des suspensions et tout. Ouais. Alors, on peut lui enlever la roue de secours. On va la laisser. Ça y était déjà. Ça y était déjà. Ouais, je suis déçu. Je suis vraiment déçu parce que je pense qu'il y avait moyen d'en faire un joli camion legit. Là, pour moi, c'est pas legit du tout. C'est trop cheaté. C'est beaucoup trop cheaté. Sur ce, je suis désolé, mais ça ira à la poubelle, malheureusement. Désolé. Eh ben, écoutez, sur ce, on se retrouvera au prochain mode. Allez, salut!